Ah que coucou internet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Tout simplement pour vous montrer le plus beau cadeau de Noël qui m'est arrivé pour ce tout simplement ce 25 et ce 24 décembre 2018. Bref, je pense que vous l'avez deviné par rapport à l'image là, c'est le nombre d'abonnés. Vous avez été 1754 à vous abonner hier. Et je tenais vraiment à vous remercier, c'était vraiment le petit cadeau de Noël que vous m'avez fait. Et je tiens sincèrement à vous remercier. La vidéo s'arrête pas là, bien évidemment. Il y a plein de choses dont je dois vous parler, notamment les modos. Donc, si jamais ça intéresse des gens, n'hésitez pas à rester un peu pour la vidéo. Bref, je tiens vraiment à vous remercier par rapport à ça, par rapport au nombre d'abonnés, par rapport au nombre de vues que vous mettez en ce moment, par rapport au nombre de donations, subs. Vous voyez, on est 67 subs sur Twitch. Parce que du coup, la chaîne Twitch, j'ai une chaîne Twitch, d'ailleurs, dans la description. Bref, même sur Twitch, vous êtes très nombreux à vous abonner, à me faire des donations, à vous sub. Bref, c'est insane, je tiens vraiment à vous remercier en ce moment pour ce 25 et ce 24 de décembre, vous avez été juste incroyable. C'est là où on se dit que quand on persévère, et bah forcément ça marche forcément un jour. Donc il y en a qui ont peut-être qui veulent des conseils pour réussir sur YouTube et sur Twitch. Persévérez, persévérez, persévérez. Je stream tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On va dire entre 8 à 12 heures des fois par jour. Hier on a stream 15 heures, bref. C'est en persévérant, en faisant beaucoup de travail que forcément un jour bah, ça finit par marcher. Et donc voilà, et je vous remercie énormément par rapport à ça. Du coup, je voulais parler de deux trucs. Donc, pourquoi je vais engager beaucoup de modos? Parce que, du coup, depuis qu'il y a eu cette montée en abonnés, parce qu'on a fait 5000 visionnages sur YouTube, ce qui est énorme, hein, en live, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de commentaires de « t'es nul, t'es moche, tu pues la merde, ta mère la pute », enfin, bref, j'en passe, des insultes et des autres. Et du coup, j'ai décidé de de plus lire le chat YouTube et que lire le chat Twitch, parce que le chat Twitch, il y a un commentaire négatif tous les 100 commentaires, donc ça reste très très lisible, hein. Donc, voilà, j'aimerais bien lire le chat YouTube parce que je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui aient forcément peut-être des questions intéressantes ou envie de me dire bonjour et peut-être qui attendent une réponse. Et moi, ça fait chier de ne pas vous répondre. Donc, j'ai engagé des modos. Comment peut être engagé les modos? Faut que vous veniez sur Twitter ou sur Instagram. Vous me faites une petite description de vous. Vous me dites votre âge. Voilà, pourquoi vous aimeriez être modo. Plein de petits trucs, plein de petits détails. Ce que vous faites dans la vie, voilà, pour que je sache à peu près la personne. J'aurais besoin de votre nom, votre prénom et votre nom de famille et de votre numéro de téléphone. Pourquoi je demande ça? C'est pas du tout pour voir. Si jamais vous faites genre modo, vous faites des conneries, genre vous bannez tout le monde, je garderai ces numéros très précieusement, vous inquiétez pas, et ils pourront me servir par la suite. Voilà, c'est entre guillemets une terme de sécurité pour les modos. Comme ça, les Kevin qui veulent faire modo, qui ont 2 ans et qui veulent juste être modo pour ban des gens débiles, enfin bref, être modo pour faire n'importe quoi, bah, j'aurai leur numéro de téléphone ainsi que leur prénom et leur nom, et on pourra régler ça autrement. Voilà. Donc s'il y en a qui veulent être modo, venez sur Twitter ou sur Twitch, sur Instagram, voilà. Et donc je voulais parler de ça, c'est vrai que YouTube, bah, en fait ça peut monter très vite comme on a pu voir, mais aussi ce qui est très dommage sur YouTube, c'est qu'il y a une petite communauté d'enfants et des fois une petite communauté de personnes qui critiquent énormément, et c'est vrai que ça fait mal au cœur un peu. Je sais qu'en ce moment je banne direct, alors qu'à l'époque je faisais beaucoup de bannes temporaires, mais en fait c'est juste devenu insupportable et ça me fait tellement mal au cœur quoi d'en arriver là aujourd'hui, de se dire que c'est full insulte et je pense que les gens pourront le confirmer dans le chat et tout ça. Dans les commentaires même, c'est devenu quand même, je trouve, assez insane. Donc voilà, en tout cas, tenez à vous remercier pour ce cadeau de Noël qui est juste incroyable. Tout ça, c'est grâce à vous. J'ai pu me payer un setup de rêve grâce à vous. J'aimerais faire une vidéo setup, mais malheureusement, j'ai pas ma caméra encore, mais ça devrait arriver assez vite. Le fauteuil qui est juste trop bien, et tout ça grâce à vous, et je vous remercierai jamais assez. En tout cas, voilà, c'était une vidéo de remerciement, une vidéo de Noël, de cadeaux, de tout ça, de bref. Je pense que c'est que le début. Je pense que l'année prochaine, à ce jour-là, on sera pas 8000 abonnés, mais on sera beaucoup plus que ça. L'objectif, c'est d'être à 100 000. On en reparlera de toute façon pour la vidéo du 1er janvier. En tout cas, c'était Cocteau. Je vous souhaite à tous un agréable petit fin de Noël. Allez, allez, bonne soirée à vous.